Aujourd'hui, nous sommes à la station du Schnepfenried, dans la haute vallée du Münster. On se trouve dans une station à petite échelle. Donc on est équipé de 5 téléskis, un télécorde, des pistes tout niveau, allant de la verte à la noire. Ce téléski est utilisé par des enfants, des adultes, des personnes qui apprennent à skier. Caractéristiques d'un appareil comme celui que nous avons derrière moi, ce sont de faire 900 personnes-heure avec une vitesse de 2,50 m, 2,70 m pour du débutant, jusqu'à 3,20 m, 3,50 m pour des bons skieurs. Le confort d'usage d'un téléski en rouleur, c'est qu'il peut très facilement s'adapter aux variations de neige et aux variations de terrain. Donc on arrive à s'adapter à tous les profils. Une fois qu'il n'y a plus beaucoup plus personne sur la ligne, au bout de quelques minutes, il y a un mode d'économie d'énergie qui se met en route. Jusqu'à ce que le prochain client passe, et du coup, avec le capteur, il se remettra en route plus rapidement. Alors pour l'exploitant, c'est moins d'entretien que sur un téléski à perche débrayable, puisqu'en fait, il n'y a plus de glissière, il n'y a plus de douille, de perche et de consommables sur un téléski en rouleur. Déjà, il y a beaucoup moins de bruit. Et on a beaucoup moins de chutes, donc beaucoup moins de clients à ramasser aussi sur le départ du téléski. Donc c'est vraiment agréable, c'est un confort. Facile d'accès pour tout le monde, c'est vraiment un bel outil de travail.